Togo Info, le Togo à votre portée. Qui demande que vous pouvez enlever le casque? Cet après-midi, vous avez convoqué la presse nationale et internationale pour un point de presse. Quel a été l'objet principal? L'objet principal de cette conférence de presse, c'est d'attirer l'attention sur le cas Paul Moussa Dottor, un des collègues, et qui a été enlevé le 17 mai 2021, mis en détention depuis cette date et dont le procès a eu lieu le vendredi 13 août devant le tribunal correctionnel de Lomé. Alors, pourquoi est-ce qu'on accuse Paul Moussa Dottor? Quels sont les mobiles de sa détention? C'est qu'il a fait relayer dans 4 groupes WhatsApp des informations dont il n'est pas l'auteur. Alors, Madame la Présidente Yvon, après la réquisition du parquet qui a demandé qu'on enferme Paul Moussa Dottor pour 4 ans, a jugé bon que la date du 27 août 2021 soit délibérée. Alors, nous trouvons à cheval entre le 13 août et le 27 août. Et la dynamique Monsieur Podro a voulu attirer l'attention de ce cas du procès politique de Paul Moussa Dottor, puisqu'elle est conseiller du docteur Antonio Podro, pour demander tout simplement que Madame la Présidente puisse dire le droit, puisque le conseil maître Arthur Darius a soulevé 3 points pour que la procédure soit annulée. Le fait que le PV de perquisition de Paul Moussa Dottor est une exigence légale et qu'il n'a pas signé. Donc, c'est à peine de nullité. Le fait que tous les PV d'audition, les questions qui lui ont été posées, sont tirées de son portable, du téléphone portable. Même si la perquisition, le PV de la perquisition s'avère régulière,